Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et qui se retrouve aujourd'hui pour Dragon Ball FighterZ. Avec aujourd'hui, on va vous montrer certains easter eggs du jeu. Et c'est vrai qu'on ne savait même pas qu'il y avait ça. On a vu ça sur des youtubeurs américains et même des journalistes de jeux vidéo qui ont parlé de ça. Et on s'est dit, faut qu'on vous montre parce que c'est énorme. Ouais, alors on va pas tout faire, donc on vous laissera voir, redécouvrir le reste autre part. On va faire les principaux, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a où c'est vraiment des gros easter eggs, il y en a c'est des petits trucs, des petites modifs. Mais là, ceux qui nous tiennent un peu à cœur aussi, parce que c'est des combats qu'on connaît. Et donc là, on va partir sur le premier. Alors attends. Le premier, on a tout noté, hein, parce qu'en fait, il y a des particularités qu'on va les avoir. Moi, je dirais le plus beau, c'est Beerus. Ah, mais on fera la fin alors. Bah non, on va commencer par celui-là. Donc direct, on commence par le Beerus. On peut prendre Beerus, soit il faut que tu prennes Goku du coup. Ouais. Vas-y, Goku. En Super Saiyan. Ah oui, Y a pas de Goku simple. Il y a pas de Goku simple, oui, j'étais en train de chercher Goku simple. Bah moi je vais prendre Hit, et puis après je m'en fiche, je vais prendre. Je vais prendre lui. Je crois qu'il n'y a pas de restriction, vas-y. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre Beerus versus Goku. Goku. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans l'espace. Dans l'espace, il faut que Beerus batte Goku. Donc, en vrai, ça va être des. Ça va être des combats qu'on va vous faire qui sont faux. On va surtout vous montrer les cinématiques. Et après, on fera quelques combats entre nous deux. Ouais. Pour voir si Kim est toujours aussi nul. Voilà, c'est ça. Mais alors, du coup, Goku versus Beerus, et c'est Beerus qui doit gagner. Donc, faut que tu tues tous mes autres. En fait, faut que tu prennes les autres avant que je les liquide, okay. Et après, je fais Goku. Ok, d'accord. Et c'est tout. Ok, ok. Ça c'est stylé. Ouais. Même la musique et tout. Ouais. Ah c'est super stylé. Bra. Bah tu vas te faire laminer Goku. Ouais. Alors bah change le personnage. Non. Ah bah. Je me souviens plus. C'est voilà. Des laisse-moi le faire et puis on va directement se rendre pour. T'es sûr que faut pas que tu tues tes personnages aussi. Non sûr. Ok. Donc ça compte pas, hein. Là, je ne joue pas vraiment, hein. J'ai mes deux mains qui sont là. C'est énorme, c'est vraiment très très beau. Quoi. Ah bah si on y arrive franchement, faut mettre des pouces bleus pour ça parce que c'est énorme. Les easter eggs de ce jeu, tu vois, ça rattrape le manque de personnages. Ça rattrape tout, je crois. Bah après tu peux tomber dessus sur hasard, mais si tu connais la série, nous on le savait qu'il y avait... Enfin direct qu'on a vu les easter eggs, on s'est dit ah bah tiens mais c'est les vrais combats en fait. Donc après tu cherches un petit peu, tu trouves tous les trucs quoi mais... En fait, c'est abusé dans le jeu parce qu'il y a des combos automatiques, t'as juste appuyé sur une seule touche. C'est trop simple du coup. Voilà. Et donc là, faut appuyer sur B tout le temps. Goku et attaque lourde CB. Voilà, c'est ça. Et il faudra que je te finisse avec ça. Bon. Ouais, tape-moi. Enfin, tape-moi, du coup, je ne joue pas. Donc, tape Son Goku. Et attention, le suspense est à son comble. Est-ce que ça va marcher? On va le faire doucement. Voilà. Vas-y tranquille, hein, vas-y tranquille. c'est juste. Et énorme. Attention. Yes. C'est génial. C'est énorme. Ah, c'est spectaculaire en français. Ouais. Ah, c'est génial. Ouais. C'est là, il a un peu d'empathie pour Goku à ce moment-là et c'est... C'est énorme. Voilà ce que c'est, donc c'est une finition spectaculaire ça. Hein. Ouais, c'est ça. Donc finition spectaculaire contre un finish dramatique en anglais, donc c'est pas vraiment le même terme, mais voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est dramatique parce que là en fait il bat Goku, mais en même temps t'as une certaine empathie pour les deux personnages quoi. Oui, donc moi faut que je prenne Freezer, faut que tu prennes Goku. Ouais, et faut que je te batte sur la planète détruite. Par contre il y a peut-être un truc non? Ah non c'est l'autre. Non. Donc là, il y en a un deuxième, alors déjà celui-là on le met en premier et c'est ce qu'il y aura je pense sur la mi-temps parce qu'il est vraiment énorme, même quand on voit tous les autres personnages. Non, je prends pas Freezer. Ah oui. Je suis dessus, mais je vais prendre Yamcha au pied. Ouais. Il est vraiment énorme, faut que t'appuies sur A. Pardon. Et donc, ça avec la planète détruite, c'est celle-ci. Ouais. Et donc, déjà, il y a une intro. Déjà, il y a une intro. T'es sûr qu'il y a une intro ? Ouais. Il y a l'intro et il y a le. Ah non, l'intro, c'est sur Namek. Ah oui, non, c'est sur Namek. Est-ce que vous voulez voir l'intro ? On va faire l'intro, on va passer et on fera de la revanche.
Alors l'intro, qu'est-ce que c'est quand on prend Goku et Freezer sur Namek? Bien évidemment, pour ceux qui connaissent le manga, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah, c'est ça. Donc en fait, c'est là où Krillin se fait dégommer, ouais. Et du coup, c'est ce qui énerve Goku. Ouais. Ça a duré aussi longtemps que dans le manga? Non, ça va. Du coup, ça fait... Donc du voilà, coup, pour l'instant, match, là. Hein? Maintenant, on fait un vrai match du coup, si tu veux. Eh non, mais attends, tu m'as pris pour dépourvu. Ouais. on est concentré. Ouais, non, mais vous avez vu l'opening, quoi, c'est ouais. Énorme. C'est énorme. Mais. Non, mais. J'ai jamais réussi à battre Guillaume. Hein. Mais j'ai changé de perso? Non. Non? Ça va marcher. Oh, mais j'ai pris des persos. C'est quand même génial. Hein. Non, je rigole. Donc là, comme on a fait l'intro sur Namek, donc ça c'est pas un dramatique finish, non. Ouverture fantastique, c'est juste une intro différente. Et franchement, c'est génial, même jusqu'à. C'était beau ça. Ah oui, ça. Voilà ça. Oh. Kamehameha, transport, téléportation. Attends, on va peut-être avoir. Ça va faire mal. Super Saiyan 3. BAM! Non mais vous. C'est. Les époustouflant, ouais. Quoi. C'est le mot, quoi. Ah, il ne me reste plus que deux boules. Ah oui! Je suis concentré, hein. Ah! Allez, allez, allez! Oh! Oh, c'est, donc, c'est pas mal, hein. Ouais, ouais, c'est pas mal, hein. Oh là! Là, ça va plus, là. Ah! Non, mais t'arrêtes un peu, là! La technique de loup, la technique de loup! La technique de loup! Oui! J'ai même pas réussi à tuer un de tes personnages. Ouais. Là, j'ai du mal, hein. Final. Finition, destruction. Ça, là, du coup, c'était une finition différente. C'est parce que je t'ai envoyé avec un coup particulier, donc avec en fait une. Ah oui! Une attaque ultra attaque en gros, et du coup ça explose le décor. D'accord. Mais c'est vrai que l'intro est énorme. Tu vois, je suis énervé, tu vois, que rien qui se fait. C'est énorme parce que du coup, c'est même pas des personnages que t'as choisi. C'est. Ah non. Sélection des personnages, parce qu'il faut qu'on change de carte. Ouais, donc on peut prendre les mêmes. Et bah, les mêmes, mais il faut se mettre sur un Namek détruite cette fois-ci. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce que c'est? C'est la fin du donc combat Freezer. Entre Freezer et Goku. Goku et. Bien. Bah, tiens, hop. Trunks et Vegeta. Et donc Namek détruite. Ah, c'est toi. Ah, c'est moi. T'as cliqué avant, sûrement. Ou je sais pas. Peut-être une fois sur et deux. Et du coup, il faut finir par B, c'est pareil? Ouais, toutes les fins finition, quoi? C'est quoi? Appuyer sur B. Fantastique, et bah, il faut juste appuyer sur B, ouais. C'est juste un coup lourd. Ok. Eevee Attack. Et après, ce sera entre Trunks et Freezer. Non, mais c'est énorme, et puis en plus, c'est vraiment énorme. Ouais, c'est vraiment bien. C'est ouf. C'est ouf comme ça. Non, mais c'est vraiment beau, quoi. Bon, il reste plus que Freezer. Nous arrivons au combat fatidique. Et donc, c'est la fin du combat de Freezer contre Goku, en fait. Ouais. Et. Ah, c'est pas mal ça, c'est trop combo. Bébé. Oui, mais c'est ce que je faisais tout à l'heure. Ah, c'est B ça. Et attention, vous êtes prêts? Yes. C'est énorme. Ouais. Vous vous souvenez, en fait, il laisse la vie sauve à Freezer, sauf que Freezer, bah, il essaie de l'attraper oui. dans le dos, et du coup, il fait... Espèce d'imbécile. Et boum. Non mais là, en plus là, non c'est... Finition spectaculaire. Et après en fait tu vois Goku qui est un peu triste quoi, qui se dit il voulait pas quoi. Bah oui. Et il a pas eu le choix. Bah là il est pas triste, là, il est en colère. Hein. Je sais pas.
Bon, c'est bon, pas mal déjà, mais il y en a encore. Il y en a encore, non mais c'est vraiment... Ah bah on voulait vous montrer, dès qu'on l'a vu on a dit il faut qu'on fasse c'est une beau, vidéo. C'est beau, rien pour vous montrer rien que les cinématiques déjà, c'est... c'est beau quoi. Donc Trunks versus Freezer. Bon. Allez, c'est parti. C'est parti, donc la map rocailleuse. De midi. C'est vrai que en fait c'est quand tu fais des combos je crois. T'as vu quand je fais des combos t'as toujours une boule. Ah bah tiens on va faire apparaître Shinron je pense. Mais non faut que toi ton perso. Oui mais tu vas me blesser un perso. Mais pas Trunks, attends. Pas celui-là, attends pas tout de suite, attends, j'attends d'avoir toutes les boules presque. Je pense que ça marche encore. Ah ouais. Ah c'était sur ce terrain là, le fait qu'on soit sur ce terrain là, je sais pas. Ah t'as plus que deux boules. Bah ouais. Ah ouais, bon alors je change. Vas-y, tape-moi. Vas-y, non, tape. Reste appuyé sur X. Sur X, tout le temps. X, appuie X, X. Je t'ai marre de bas. Tue-moi-en, on va voir ce que ça fait. Ah, tu l'as. Ah, qu'est-ce que ça fait? Faut peut-être l'invoquer, je sais pas. B. Normalement. Non, ça marche pas. Ah si. Si, c'est bon. C'est bon. C'est énorme. Spectaculaire. Et après, il y a faire. Goku n'est plus le seul Saiyan sur Terre. Yeah. Son Goku n'est plus le seul Super Saiyan. Il y en a un autre ici. Bah, c'est juste, tu pas le seul. Bah si. À cette période-là, il n'y a que lui, il n'y a que Goku, ouais. Vegeta n'arrive toujours pas. Non, il galère, il est dans sa cape sur le corps en train de faire... Et il n'arrive pas. Sauf qu'on revient après et qu'il fait « j'ai réussi !» Et il va « Et après Goku il fait « moi je suis Super Saiyan 3 !» Mais j'ai déjà fait. Alors, bon, pas mal, assez joli, donc assez court mais très joli. Celle pas c'est celle, Arène de Cell, Arène de Gohan Cell. Versus... Cell, Goku et allez, c'est bon. Mais oui, Gohan, faut le prendre en premier. Ah oui, c'est bon, tu l'as pris. Oui, c'est Gohan petit, oui. Young Gohan. C'est... Ah oui, ok. C'est deux fois Gohan. D'ailleurs, Gohan est deux fois dans le jeu. Et la reine de Cell qui est en bas à gauche. Là, non, en dessous, à côté. Là. Arène de Cell Cell Games. Dès le début. Voilà pourquoi faut pas prendre ses 16. Et c'est à ce moment-là où il passe Super Saiyan 2. Donc les cheveux vers le haut. Ouais. Il a changé. Bah, Super Saiyan 2, ouais. Et donc, du coup, il reste Super Saiyan 2 pendant tout le combat. Du coup, on peut faire un vrai combat. Hein? Du coup, on peut faire un vrai combat. Bah, non. Ah bon? Ah oui, mais non, mais il y a la fin aussi. Non, pas sur cette arène. Ah, t'es sûr? Non, c'est sur Westland. D'accord. Ah oui, parce qu'on change de maille, parce qu'ils s'en vont pour faire trop de dégâts, oui, ça. Non mais oh, t'as vu comment tu tapes bien? Donc Sangwan, Super Saiyan 2. C'est quoi ta boule, là? Je sais pas. Ah, j'en ai fini encore. J'essaie de recharger parce que j'ai pas assez de... Ça explose. Ah, mais arrête, mon Beerus. Va-t'en, Beerus, t'es nul. Attends, ça se trouve, Westland, faut péter la map. Il faudrait que je tue un de tes persos en faisant une destruction. Non, non. Westland, c'est pas là, ça c'est Cell Game. Oui, mais Westland, c'est quoi alors? Mais tu verras, pour l'instant, tout ça pour me battre. Si, c'est ça, je crois, non? C'est vrai, on détruit et on est sur notre map. Attends. Ah non, c'est la même. Non, c'est la même. Je suis juste explosé. Oh, stylé. Oh, bah encore.
Allez! On t'arrête un peu là, hein? C'est pas vrai ça, hein? De me battre tout le temps. J'arrive même pas à me recharger une seconde. Non, mais non! Ouais, je changeais de perso, je sais. Ça fait trop mort. Mal au Kamehameha. Je sais, mais ça fait trop mal, je suis morte. Allez, je t'ai bien entamé tes persos quand même. Je vais appuyer. Il est énorme. Et donc le. Donc il en reste deux. Ouais. Il reste. Bah faut aller. C'est les mêmes persos mais sur Westland. Ouais mais du coup c'est quoi Westland? Alors du coup il y en a eu d'autres, c'est avec Sel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va se faire poutrer. Voilà. Donc celle, il faut apprendre ses 16 parce que c'est pareil. Ah, c'est celui en dessous là. En dessous, c'est toi. Ah, c'est moi. C'est ça. Pleine. Ah. De toute façon, c'est soit ça. Je pense que c'est pleine. Je dirais pleine. Ouais, je dirais pleine. C'est vrai qu'on l'a jamais faite et ça ressemble à ça. C'est parti. Donc on vérifie forcément sur internet, sur les guides parce que jamais ça nous aurait venu à l'esprit qu'il y avait ce genre de truc. Et puis on serait peut-être tombé dessus, mais il fallait prendre exactement le bon perso. Ouais. Mais en tout cas, c'est assez stylé. C'est vraiment, ouais, vraiment c'est une stylé. Très bonne idée. Donc là, on va avoir la même intro avec. Ah non, on va pas. Bah non, on va avoir une intro différente. Bah oui, parce que du coup, l'intro, c'est que au Perfect Game, c'est là où ils se battent au début et ouais. Après ils s'en vont. Save Game. Pour éviter de déranger la population. C'est ça. Ouais, c'est stylé. Ah, donc c'est. Ouais, c'est l'intro de base, mais c'est quand même très beau, quoi. C'est vrai que c'est quand même ouf. Hein. Visuellement, ça a vraiment son. Son truc. Ouais, ils sont partis sur une bonne idée. C'est vrai que par rapport à Xenoverse, hein, pour comparer, c'est pas pareil. C'est différent, ouais. Mais en anime, c'est stylé. Faut que tu restes appuyé là-dessus pour changer de personnage sans m'attaquer. Ah! Ah, c'est trop stylé! C'est trop stylé! Mais c'est énorme ce que tu viens de faire là! C'est un finish sur la meilleure attaque de Gohan, sur l'ultime de Gohan. Ça fait ça. Ouais. Quand tu tapes quelqu'un, bah c'est ce qu'on va revoir, puisque c'est ce qui se passe aussi pour Cell justement. Pour comment. Ah oui, sur Cell! C'est comment il bat Cell, Gohan. Donc c'est là qu'on fait un combo, qu'on met une Dragon Ball en fait. Ah oui, d'accord. Tu. Ouais. Pipe à la bonne hauteur. Ouais. Bam! 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 Et donc, est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être la même chose du coup? Musique quoi. Donc là c'est Goku qui lui parle. Ouais. À ce passage de l'anime et du manga, Gohan il a qu'un bras. Son autre bras il peut pas l'utiliser. Et avec un seul bras, il fait un Kamehameha tellement monstrueux que Cell il se fait, mais vous allez voir la tronche de Cell. Lala. Ouais. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Bah, il se fait laminer, poutrer. Quoi. Il se fait poutrer. Ouais. Ah, c'est tellement. Il en peut plus, le petit. Bah oui, c'est comme ça dans l'anime. Ouais. Dans le manga. Ouais, donc, c'est des scènes d'anime ou de manga qui ont été refaites en mode jeu vidéo, quoi. C'est ouf. Si stylé. Et il en reste un pour finir. Ouais, qui est assez fat aussi. Qui est pas mal aussi. Ouais. Qui est un affrontement entre Goku et un des personnages emblématiques. De Dragon Ball Z en fait. Bah le dernier affrontement Goku dans la. Si on s'arrête à Dragon Ball Z. Ouais. C'est vrai que j'ai pas du tout lu. Par contre c'est beau comme ça. Hein. Ouais. C'est beau enfin. Et il faut pas prendre. Ah bah non, on s'en fout. Ouais, tiens, je vais prendre Goku comme ça. Et lui. Que des roses. Que l'équipe des roses contre l'équipe de Super Saiyan. Des jaunes. Des cheveux blonds contre les cheveux roses. Vas-y, appuie. Et donc, c'est. Land of the Kais. Ah, bah, le monde de Kaioshin. Ouais, c'est ça. Kaioshin. C'est vrai qu'en fait, c'est pas les. En fait, en anglais, on n'a pas du tout le même truc, quoi. Ouais. Il y a des termes qui sont utilisés dans la série. Team Rose. Ah, oui. Licorne. Licorne.
Bouh, ouais. D'ailleurs, on a une manie. Ah, c'est ça qu'on a oublié de montrer. Ah ouais, on a oublié de montrer. Vas-y, elle est juste. Regardez-moi ça. Il est trop trop beau, il est super mignon. La tête est interchangeable et il est super beau. Et on adore Bouh. En fait, en gros, c'est. Ouais, bah on a. On a une aussi, grosse tirelire et on a aussi bah, la pop Majin Bouh chocolat. Majin Bouh chocolat. C'est vrai que Bouh, je trouve que c'est un personnage. Moins en enfant, mais en Bouh gros. Moi, je l'aime moins en enfant parce ouais. qu'il est très agressif. Je vais essayer de battre avec une ulti lui pour voir. Quand il aura moins de vie. Pour voir si ça fait un truc énorme aussi. C'est quand il se transforme en Super Saiyan 3. Il est trop mignon au bout. Ouais, il est trop mignon. Il fait de la peine. Ouais. Surtout quand ouais. il expulse l'autre. Il est trop mignon. Non. Je sais pas s'il veut y arriver. Ouais. Si, c'est bon. Ah, c'est bon. Wow, bien! Est-ce que ça fait un truc, tu penses? Ouais, ça fait un... Ah, ça fait la même, mais ça fait un truc énorme, c'est ouais. trop marrant. Donc ça, c'est quand on fait, qu'on finit par une attaque ultime un personnage. Ouais. Mais sans pour autant qu'on gagne le combat. Et donc là, tu dois finir par B, normalement, si... Oui, c'est toujours B. C'est toujours B. Toujours une attaque lourde pour... Et c'est marrant parce que c'est des attaques faciles, quoi. Bah, c'est parce que c'est pour... Si tu tombes dessus par hasard, en fait. Ouais. Sinon, tu tomberas pas dessus par hasard. C'est vrai. Et donc, prochain... C'est bon. Tous les habitants de la planète et du monde entier, de la galaxie et de l'univers, envoyez-moi votre énergie. Bon, c'est un peu plus long normalement. Ça dure longtemps, faut que quelqu'un contienne et tout. Bah oui. Et fait. Il est fort le petit. Et pouf. Et il lui explose là. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Parce c'est énorme. Dragon Ball, c'est quand même un manga génialissime quoi. Un ouais, fait, manga. Il fait hey. Mais et puis. J'espère que tu viendras qu'elle bien ouais. cette fois, une fois qu'on te réincarnera, quoi, en fait. C'est vrai qu'il y a ça dans Dragon Ball, beaucoup ouais. de réincarnation à chaque fois. Donc voilà, c'était un c'est peu nos finish ouais. et commencements préférés. Il y en a plein d'autres, bien sûr. On va aller acheter des capsules, on peut acheter 3 capsules. Bah, on va acheter des capsules, non, mais c'est, voilà. Il faut nous dire ce que vous avez préféré. Moi, j'ai préféré avec Beerus. Ah, Beerus, elle est vraiment très longue et ouais. Je trouve qu'elle est, est prenante, quoi. Ouais. Tu vois, Beerus, en fait, c'est des parties d'anime, donc c'est... C'est énorme, c'est alors génial. On joue jamais en ligne, pourquoi? Parce que les halls ils sont surchargés avec Sarah. Bah ça se connaît, on n'arrive jamais à se connecter en ligne. Si on s'est connecté après Sarah. Acheter capsule, on peut en acheter 3. Alors une capsule. Qu'est-ce qu'on Poum a? Boum. Oh. Non c'est nul. Oh Jin Yu. Ouais. Bah non c'est nul en marron, je crois que c'était bien. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Arc-en-ciel, licorne. Ah, ah oh, or. Ouais une vitesse. Ouais, et attention le dernier. Pour Boum. Terminer. Personne n'a eu. Oh, c'est couleur. Pas mal! Du coup, on a eu Hit, attends. On va regarder à quoi il ressemble. Personnage du hall, on a eu Hit. Couleur donc, 2. On l'a eu en couleur 2, couleur 9. Bah, couleur 2 est un peu en mieux. Tout cas, et on a eu Jin Yu. Quel finish avez-vous préféré au commencement? Faut nous dire si vous voulez d'autres petits ouais. combats. Alors, je sais pas si alors, on fera il y aura plus d'autres vidéos. Suite. Non, il ouais. y aura plus d'autres vidéos comme celle-ci, ce qu'on vient juste de faire là, puisqu'on oui. a fait les importants. Je pense que certains nous diront, mais oui, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Nous, on a fait nos préférés, en fait. Alors, moi, je serais tenté comme, c'est pas pour me vanter, mais il y a une trop grosse différence de niveau entre moi et Kim. Donc, en fait, si on fait des niveaux, si on, non, mais... si on fait des combats, même si je suis pas extrêmement bon, si on fait des combats, je vais gagner. Oui. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est la prochaine vidéo, je pense, on fera en ligne. Que je ferai soit en ligne, soit le défi en extrême qui est dans la tour contre l'ordi qui est extrêmement dur parce qu'au moins il y a du challenge ouais. et tu débloques des trucs assez stylés quoi. Bah, vous nous dites dans les ouais. commentaires et puis il faut pas hésiter à mettre des pouces bleus et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, allez. Salut. Salut.